Hello. Vous voyez pas, c'est normal. Je vais être dans le frigo. Hello. Comment ça va? Je vais prendre un petit peu d'eau avec du silver, du cruf, de menthe. Donc, où est-ce que je peux poser ça? Peut-être dans le frigo. Hello, comment ça va? Bon, aujourd'hui, on est samedi 14 août 2021 et il est à peu près 2h10 du matin. Je suis réveillée depuis 1 heure, non, depuis minuit. Donc, je vais prendre un peu d'eau. Ceci n'est pas sponsorisé. Pas encore. Donc un peu de sirop de menthe. Ok. Donc, hier j'ai fait. Enfin. Pas hier, mais oui. D'avant-hier jusqu'à hier. 20 h, j'ai fait 24 heures de jeûne et ensuite j'ai fait un repas. Je voulais aller plus loin, mais à chaque fois, oui. J'avais fait un TikTok sur ça. I heard you, the fridge. I heard you, the fridge. I know I have to shut this motherfucking door before my food gets warm. Je plaisante, je vais pas laisser mon iPhone dans le frigo. Vu le prix qu'il m'a coûté. Ok, donc c'était juste une petite introduction. Je viens de regarder la vidéo que j'ai faite, c'est pas mal, hein? Vraiment pas mal. Tu veux du bon? Monte sur le lit. Et je vais laver ton lit. Comment je suis là? Okay.
Assieds-toi, toi. Sit down. Salut tout le monde, il est 9h05. Je suis pas réveillée. Je pense que c'est le meilleur angle parce que je suis un petit peu gonflée ici. Donc il est 9h05, je commence ma journée. J'ai déjà déposé la petite chez sa mamie. Et là, je vais faire un peu de montage sur Final Cut Pro. Et je vais finir l'histoire du monstre romantique. Ouais, j'ai écrit des histoires pour ma fille et ce mois-ci, j'ai décidé de les mettre en ligne. Que ce soit corrigé par quelqu'un d'autre ou pas, parce que au final, il faut que je fasse les choses et je vais arrêter de douter de mes compétences à faire les choses. Même si c'est pas parfait, je vais le faire par moi-même. Parce que sinon, en fait, je suis dépendante et ça prend plus de temps. Et les gens ont leurs propres projets à réaliser, donc j'ai pas envie de forcer la main non plus. Donc je vais le faire. Ce qui a déjà été engagé, bah, je le garde sur le côté et puis je fais les choses. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. S'il y a encore un petit peu de temps, ce matin, je ferai une petite séance de sport, je pense, des abdos, du gainage, tout ça. Franchement, là, je viens de faire 10 minutes d'abdos avec Pamela Reif. C'est la première séance de sport que je fais depuis 2 semaines maintenant. Oh là là. Je vais essayer de faire plus de sport, plus régulièrement, même si c'est juste 10 minutes, ça sera déjà ça de gagner. Je me sens déjà mieux, donc c'est cool.
se remettre en selle, c'est parfois compliqué, mais ça vaut vraiment le coup. Je me sens déjà plus sereine, plus apaisée. Voilà, je vais bosser un petit peu et puis je vais voir si je fais encore une autre petite séance de sport. Bye! Quand t'as tellement de choses à faire que tu sais même pas par quoi commencer. Salut à toutes et à tous. Hier, j'ai été chez le dentiste. Je commence à arranger ma dentition un petit peu parce que là, c'est important. J'ai fait un détartrage, j'ai soigné une carie, j'ai rendez-vous ensuite au mois de novembre. Alors qu'on est en août, on est en mi-août, j'ai rendez-vous début novembre. Ce dentiste est très demandé, mais bon. Je vais soigner mes caries avant de mettre un appareil dentaire parce que j'ai besoin de réaligner mes dents pour pouvoir poser les pivots sur les dents qui me manquent. Donc j'ai décidé de m'y mettre à fond là parce que bah, je fais tarder. Je me dis ça me coûtera super cher. Mais au final, je dépense mon argent ailleurs et au final, ça avance pas. Donc là, refaire ma dentition, c'est vraiment ma priorité. J'ai pas vlogué parce que j'étais un peu paralysée. Tout là, j'étais paralysée. Et voilà. Sinon, ça s'est bien passé. Le dentiste est super sympa, c'est cool. Compétent, super sympa, c'est cool. Aujourd'hui, ma fille passe la journée avec son père. Donc, je vais m'attaquer au grand ménage. Mais j'ai tellement la flemme. Il faut nettoyer le climatiseur, nettoyer le sol, changer les draps, faire des machines, nettoyer les murs parce qu'il y a des moustiques qui viennent nous piquer pendant la nuit et puis je les explose des fois, donc il y a des taches de sang de moustiques sur les murs. Nettoyer la cuvette des toilettes que j'ai déjà commencé, mais il reste toujours un petit peu de crasse, donc il faut que je nettoie ça. Faire la vaisselle, nettoyer le coin de cuisine, jeter des trucs. Enfin, il y a tellement de choses à faire et j'ai tellement la flemme. Mais bon, il faut que je le fasse, donc j'y vais. À plus! I know she means well, but this is between Adrian and I. End of story. Goodbye, all right, Sally. Have a lovely bath, okay? Thank you so much. When's Maurizio taking his high heels off? What time is he coming back? Who knows? Maybe he'll be wearing them permanently now. I'll let you know how that goes. Yeah, I love this time. Can I stay like this time? You're finally as tall as I am. That's sweet. Thank you. After everything we've been through so much that we just can't come together. I'm sure they will. It's just that initial breaking the ice. Yeah, breaking the ice is so But hard. Nobody wants to do that. Oh, well, at least you guys are here today. I know, I'm just so happy to be here. Bon, on va faire un petit tour finalement. Donne-moi ta main. Notre main. On va acheter un petit floupe. Tu viens un floupe? T'es vrai? Tu veux faire un petit bisou? Allez, on y va.
This one. Et on arrive à la boutique. Anima? On y va? Good morning. Bon, aujourd'hui, je vais finir le montage de la deuxième partie de mon jeûne. Il pleut. J'aime ce temps. J'aime vraiment quand il pleut comme ça. C'est super. Il fait frais, c'est apaisant. Il n'y a pas trop de bruit. Voilà. Je vais prendre mon café. J'aime beaucoup cette tasse. Je sais pas si vous voyez. Et on va se réveiller un petit peu.